la team, on va à la cérémonie d'ouverture, ma petite chemise, mon pantalon et les chaussures. Je suis toujours en retard pour être officielle, mais c'est pas de ma faute. En fait, vous voyez, là, on part et ils me disent que c'est 13h45 en bas. Là, il est 13h28. Et 14h28, pardon, c'était 14h45. Et au final, là, on m'appelle pour me dire oui, ils sont partis. Mais c'est pas la bonne horaire que vous m'avez donnée. Bref, je me dépêche pour les rejoindre. Je suis toujours malade comme un chien. J'ai pris un Doliprane, mais j'ai l'impression que ma tête va exploser. En fait, le truc, c'est que moi, quand mes allergies, elles commencent à devenir trop importantes, ça me fait les mêmes symptômes qu'au début du Covid. C'est pour ça que quand j'ai eu le Covid, je pensais pas que j'avais le Covid, je pensais juste que j'avais des allergies. Hein, et voilà. Parce qu'en fait, mes effets sont exactement les mêmes. Donc quand je vous dis que là, je suis dans le mal, c'est vraiment pas une blague. Et là, je sais pas, on va rester combien de temps debout, parce que la cérémonie, apparemment, ça a duré longtemps. En plus, je suis pas à l'aise dans mon pantalon, parce qu'il est super, super, super grand à la taille. Du coup, j'ai mis ma ceinture, mais il fallait tellement serrer du tissu que, en fait, ça me fait mal. Il y a vraiment grave tout le monde. Genre, même dans le stade, le stade est blindé, j'ai aperçu. J'ai hâte de vous montrer ça. Si j'ai attendu comme ça pour toutes les épreuves, sinon ça va être le fou, tout à l'heure. Namo Kolobango. C'était une de dingue. Il y avait 86 000 personnes. C'était waouh! Genre, j'ai jamais vu ça autant rempli. Et le public, il était on fire. Vraiment, ils ont pas le time. Ça se voit, ils kiffent la fête. Mais bref, voyez-vous, ouais, ouais, je vais m'allonger un peu et je vais dormir très, 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 très vite. Pour avoir déjà mangé du miel, je sais que ce n'est pas normal que quand tu manges du miel, la fond de ta gorge te brûle. C'est que je suis pas folle et qu'il y a un fucking problème dans ma gorge en ce moment. Et en plus, ça c'est une marque, c'est genre Lune de Miel là, une marque française. Bon, c'est pas du vrai miel, on se sait, c'est du miel industriel, mais bref, peu importe. Donc je peux pas dire que c'est le miel d'ici qui est bizarre. C'est que là, le problème, ça vient vraiment de moi. Donc là, je mets au fond de ma gorge direct pour que ça, j'essaye de laisser un peu en mode pansement. Mais bon, c'est un peu bizarre, du coup, je suis obligée d'avaler rapidement.
oh bordel de merde, mais ça me brûle. Et là, c'est remonté jusque dans mon nez, Seigneur. Je me retrouve toujours dans des situations de mouise. J'en peux plus de moi. Les refs, et ce matin, il se passe des dingueries, genre en mode 7h53 où je viens dans ma chambre. Le coach il toque et c'est ma voisine, enfin ma coloc ou peu importe, qui ouvre. Et il dit ouais, elle dort encore. Elle dit oui, il dit ben faut la réveiller, on part au stade à 8h. Déjà, premièrement, qui s'entraîne à 8h? La paix de vous montrer, c'est la piste d'échauffement. Et en gros, le gros stade là-bas, c'est là où il y aura la compète. Il y a tellement de poussière que le soleil, on le voit pas. Mais qu'est-ce qui cogne? Genre vraiment, il brûle la peau. Voilà team. En fait, le matin, j'avais commencé à vous expliquer mon réveil catastrophique. Et j'ai... Excusez-moi, j'ai été coupée. Et au final, je vous ai pas du tout expliqué. Donc en gros, 7h50... Le coach 53, le coach tape à la porte. Et moi, bien évidemment, je dors. J'avais mis mon réveil à quelle heure? À 8h30, j'avais mis mon réveil pour aller prendre le petit-déj. Et il dit à ma coloc, enfin, la fille qui est avec moi, quoi. Ouais, Naomi dort. Elle dit oui. Il dit, ouais, il faut la réveiller. On part à l'entraînement à 8h. Pardon? Déjà, qui s'entraîne à 8h? Qui s'entraîne à 8h? Bref. Du coup, moi, bien évidemment, est-ce que j'étais prête? Non. Est-ce que j'ai été sortie du sommeil? Oui. Est-ce que j'étais forcée d'aller au stade? Oui. Donc, je me suis retrouvée à me dépêcher pour prendre mes vêtements, les machins, les ceci, les cela. Et pour aller prendre le bus. Du coup, on a pris le bus vers quoi? 8h20, je pense, un truc comme ça. Et voilà. Ensuite, je vais faire normalement vitesse gestuelle sur les haies. Puis, un petit atelier dynamique en muscu. Mais comme j'ai été malade et que je me sens pas très bien et tout, et qu'en plus il était tôt et que je me sentais pas en forme, bah j'ai demandé au coach à faire que muscu. Parce que muscu et bondissement. Parce que ça allait pas. Au final, ça allait mieux après la muscu. Mais comme je venais de faire la muscu, bah c'était pas le moment de faire aller. Et normalement, c'était l'inverse. Et dans tous les cas, apparemment, la compétition va changer. Normalement, on avait lundi série, mardi demi-finale finale. Sauf qu'au final, ils vont faire que demi-finale finale mardi. Mais c'est pas encore confirmé. Mais du coup, si ça se confirme demain matin, normalement, ça veut dire que je vais pouvoir faire demain vitesse gestuelle sur les haies. Mais le problème aussi, c'est quoi? C'est que le stade est à 1 heure de route. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai fait 1 heure de route pour arriver au stade. J'ai fait ma séance en 1 heure. J'ai fini ma séance à 10h30. Et maintenant, je devais attendre les autres. Donc, j'ai repris le bus pour rentrer à midi. C'est-à-dire que derrière, j'ai attendu 1h30 dans le vent. Alors, en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'ici, on passe un temps à attendre pour manger. On attend 2 heures pour faire la queue. Et quand je vous dis 2 heures, c'est pas une blague. Hein. Genre, on a attendu des 2 heures, des 1h30 pour grailler. Genre, c'est pas une exagération. Maintenant, quand on est au stade, faut attendre aussi les bus, faut attendre tout le monde, faut attendre les trucs. Enfin, tout le monde, je dis pas tout le monde, genre que nos pays, notre pays. Faut attendre tout le monde, genre qu'il y ait plein de gens dans le bus pour pouvoir rentrer. Enfin, en fait, on passe notre temps à patienter, debout, attendre. Mais le truc, c'est que bon, au bout d'un moment, ça fatigue, quoi. Donc, à cause de ça, je sais même pas si demain, je vais vraiment aller au stade ou pas. Parce que si c'est pour être plus fatigué par les trajets que par le... que en vrai, l'entraînement est bénéfique, bah, autant se reposer. Donc, voilà, je vous tiens au courant. Ah, et pour le reste de ma journée, j'ai mangé, je suis revenue dans la chambre vers 13h40 et j'ai dormi jusqu'à 17h. Les rushs, je vais devenir folle. Depuis tout à l'heure, il y a ça. Ah! En fait, il fallait que je fasse la vidéo pour que ça s'arrête. On va rester en vidéo alors. Coucou la team. J'ai peut-être une nouvelle coiffure, genre en mode des petites tresses comme ça. Et sinon, ça coiffure de d'habitude. Genre, quand c'est comme ça, ça passe bof. Mais je vous jure, tout à l'heure, j'ai essayé en mode mes cheveux attachés derrière. Et c'était genre incroyable. J'aime trop. Donc je pense que ça va être ma coiffure pour la compétition. Bref, sinon là je viens d'arriver au stade. Apparemment il y a une séance de start officielle. Officielle en mode avec starter, tout ça. Donc je vais m'échauffer ici sur la piste d'échauffement. Et ensuite j'irai sur le vrai stade pour pouvoir faire les départs et tout. Donc c'est vraiment carré, genre ça tombe parfaitement. Et voilà. Là j'ai rendez-vous avec France 24 parce qu'ils veulent faire un portrait de moi lors de ces jeux.
Donc j'avais clairement pas dire non. Du coup, c'est pour ça que je me suis mis un peu mignonne. Enfin, je me suis juste coiffée, j'ai mis du mascara en vite fait, hein, c'est tout. Mais voilà, je vous tiens au jus. Bon, du coup, il y a vraiment une séance d'échauffement en fait prévue. Il y a grave du monde qui vient, genre en mode ouh, on est dans des stars. Le stade est incroyable, genre c'est grand, c'est géant, c'est ouf. Franchement, ça donne envie de courir vite. Genre, le public te porte de ouf pour faire des bons trucs. Et oh, je suis mignonne là. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai marché comme ça du coup. Là, je suis en train de chercher les toilettes parce que j'ai envie de faire pipi. Et du coup, voilà. C'est quelque part par là-bas. On m'a dit sous le 12. Je vois rien, du coup, j'attends de me rapprocher. Mais bon, je me sens bien. On va voir ce que ça donne. Et regardez comment le stade est énorme. Genre, en plus, ils m'ont dit, les gens. C'est sûr que ça allait être rempli parce que les gens ils venaient déjà pour l'échauffement, donc c'est sûr qu'ils allaient venir pour la compète. Fallait que je vous parle d'un truc aussi. Vous avez vu quand je suis arrivée, le mercredi, le jeudi je suis allée aux toilettes pour faire la grosse commission. Les toilettes étaient dégueulasses. Quand je vous dis dégueulasse, c'est genre même le dégueulasse, c'est pas suffisant ce que vous imaginez. L'odeur, mais genre j'ai failli vomir, rien que l'odeur. Et quand je vous dis failli vomir, j'ai vraiment eu des. Bref, du coup j'ai cherché des toilettes plus propres. J'en ai pas trouvé, enfin j'ai trouvé des plus propres mais c'est quand même dégueulasse. Du coup c'était horrible. Maintenant on est dimanche. Dites-vous que de jeudi à dimanche je ne suis pas allée aux toilettes. Je fais pipi dans ma douche, dans la chambre. Et j'étais pas allée aux toilettes. Et là ce matin je me suis dit non c'est trop, après tu vas être constipée pour la course, c'est pas bien. Mais mon cerveau il avait bloqué le mot grosse commission. Parce qu'il savait que les conditions c'était horrible. Du coup là j'y suis allée ce matin, juste après que la dame elle ait nettoyé, du coup c'était propre. Mais j'espère que ça va débloquer mon cerveau parce que là c'est chaud sinon. Vraiment, je sais pas c'est quelle maladie que j'ai, mais ce matin je peux pas parler. Regardez, je suis réveillée et genre je parle comme ça et genre c'est pas une blague. Je fais que tousser et même en toussant ma voix elle revient pas. J'ai pas de voix, c'est horrible. On dirait un prank. Au secours. Get out of the way!